Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'effectuer un tour du circuit de course de bateau après le compte à rebours de stratagème. Alors, ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est de vous rendre juste ici, à côté du sanctuaire. Donc vous rendez ici, là vous allez voir qu'il y a deux bateaux accrochés, donc vous en prenez un des deux. Voilà, vous vous placez ici. Et là, regardez, il y a 15 secondes. Donc ça, c'est le compte à rebours de stratagème. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement attendre que le compte à rebours soit terminé. Donc là, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le compte à rebours soit terminé. Et quand, et uniquement quand le compte à rebours est terminé, là, vous allez tout simplement suivre le chemin comme je suis en train de le faire. Donc vous suivez tous les ronds. Voilà, tous les ronds. Vous suivez la course, en fait, hein. Le chemin qui est indiqué par des bouées de mer et qui est indiqué par par des petites flèches. Hein. On peut les voir, il y a des flèches mauves là au bout qui me disent de tourner à droite. Donc, hop. Et vous passez obligatoirement dans chaque rond. Hein. Si vous ne passez pas dans un rond, ça ne validera pas votre tour complet. Vous n'êtes pas obligé aussi de vous presser. Hein. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Donc si vous voyez que vous passez 3 droites dans un rond, bah vous faites demi-tour et vous reprenez, vous repassez bien dans le rond, dans le bon sens, hein, pas dans le sens inverse, dans le bon sens. Je pense que dans le sens inverse, ça risque de ne pas fonctionner. Et vous faites ça avec tous les ronds. Voilà. Donc là, j'arrive bientôt à la fin. Donc là, faites pas trop les fous pour pas passer à côté du rond. Voilà, parfait. Et là, normalement, j'arrive à la fin. Voilà. Et dès que j'aurai arrivé à la fin, donc regardez, hop, voilà. Là, j'ai des feux d'artifice qui m'indiquent que j'ai fini mon premier tour. Donc, je peux en continuer. Hein. Je peux continuer et faire un deuxième tour. Mais je vais pas le faire. Et on peut voir que j'ai mis 1 minute 12 pour faire le tour complet. Dès que vous aurez fait un tour complet, comme je vous l'ai expliqué, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ah oui, très important, si maintenant le compte à rebours est activé. Voilà, si le compte à rebours ici ne s'active pas et que c'est en vert, je pense que vous pouvez quand même faire le tour. Mais essayez de voir si vous avez les ronds. Si les ronds ne s'affichent pas, vous voyez quand je passais dans un rond, il y avait un rond bleu qui s'affichait. Donc si le rond ne s'affiche pas, soit faudra relancer une partie ou soit prendre un autre véhicule. On va prendre un autre véhicule pour voir. Ouais, donc je pense qu'il faudra relancer une partie si vous arrivez trop tard. Donc essayez vraiment directement dès que vous sautez, dès que vous atterrissez dans l'île de Fortnite, dès que vous sautez du bus, arrivez directement, enfin dirigez-vous directement ici pour faire le tour, pour que les... Ah, regardez, le truc s'est arrêté de s'afficher, j'ai l'impression. Ok, ah, y a peut-être moyen de redémarrer le compte à rebours. Je ne sais pas. En tous les cas, si vraiment ça ne fonctionne pas, relancez la partie et refaites le truc le plus vite possible pour être sûr que quand vous passez dans un rond, il y a un rond bleu qui vous dise que ça fonctionne bien. Et dès que vous aurez réussi à faire le tour complet, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.